Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Est-ce que vous saviez quand on compare les chiffrements, les cryptages, ça se dit pas cryptage, normalement on dit chiffrement. Est-ce que vous saviez quand on compare les chiffrements de la DMRA à ES256, ITERA, ils font mieux que leurs homologues de chez Motorola. Alors vous allez me dire, c'est bizarre, comment ça se passe, pourquoi est-ce qu'ils font mieux Et bien c'est tout l'objet de cette vidéo. Je vais vous montrer ça tout de suite, pourquoi est-ce que ITERA fait mieux que Motorola. On y va, c'est parti, mais juste avant, générique Alors, avant de continuer, une, un petit avertissement. Cette vidéo et toutes les informations qu'elle contient n'ont absolument aucun but malveillant. Tout ce que je vais vous citer là, ce c'est issu de tests qui ont été effectués sur mon propre matériel. C'est le fruit de mes recherches, de mes propres recherches et d'expérimentations diverses. Et également, à but à, pardon, cette vidéo, elle est à but pédagogique et informatif uniquement. Hein. Il ne s'agit pas, je ne fais pas ça pour casser les, casser les fabricants des matériels radio. Je, je souhaite simplement informer par ce type de vidéo. Voilà, d'autant que les informations qui vont être révélées sont... Euh, vous ne devriez pas les trouver sur le, sur le net, ou du moins pas facilement. Donc ça va être assez unique. Alors, pourquoi, la question, pourquoi est-ce que ITERA bat Motorola sur les chiffrements AES DMRA 256 bits, on va parler que du chiffrement d'Emera. Il y a le chiffrement d'Emera, c'est celui qui était initialement adopté par Motorola, qui maintenant est compatible avec l'ensemble des appareils de la gamme dits compatibles d'Emera. Donc, c'est le chiffrement de Motorola simplement qui a été adapté à tout le monde. Et donc, depuis quelques temps, Motorola et ITERA sont parfaitement compatibles. Ce pas les seules marques, il y en a d'autres, mais là, en l'occurrence, on parle de ces deux-là et, et on les compare. Alors, quand on regarde le chiffrement d'EMERA, comment il marche Eh ben, c'est un chiffrement qui est basé sur l'algorithme AES-OFB. Ça veut dire qu'OFB, Ça veut dire Output Feedback Block. Concrètement, ça c'est le chiffrement AES là, Block Cipher Encryption. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que on va générer des blocs de 128 bits sur la comment dire dans, En DEMERA, les blocs qui font 128 bits, là, ce qu'on voit là ici là, c'est 16 IV. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer La sortie du premier bloc va aller dans l'entrée du deuxième bloc la sortie du deuxième bloc va aller dans l'entrée du troisième bloc et ainsi de suite voilà c'est comme ça que ça marche c'est ce qu'on appelle du OFB output feedback block Donc, grosso modo on va encoder les données comme ça on va générer ce qu'on appelle le case stream en utilisant ce principe là je vais juste effacer ce que j'ai mis là parce que sinon on n'y verra plus rien après voilà et alors comment il marche du coup vous partez d'une clé secrète, elle peut faire 128 ou 256 bits, en l'occurrence Motorola ne propose que du 256 bits, mais Itera, eux, ils ont implémenté l'AES 128 bits, donc vous avez le choix, c'est l'un ou l'autre. Ensuite, vous partez d'un vecteur d'initialisation qu'on appelle IV, IV Initialization Vector en anglais, que vous allez générer de façon aléatoire ici et que vous allez passer dans un LFSR. Un LFSR, c'est un registre à décalage. Ça veut dire Linear Feedback Shift Register. Tout ça, ça va vous générer ici un K-Stream que vous allez mixer avec vos données. Donc vos données, qu'est-ce que c'est Par exemple, prenez le petit bonhomme là, quand vous appuyez sur le bouton PTT ici pour parler, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, vous avez un vocodeur, ici, qui est de chez DVSI, en BE plus 2, qui va compresser la voix et l'encoder, toutes les 20 millisecondes, il va générer une trame de 49 bits. Et c'est cette trame que l'on va injecter directement là. Ce qu'on voit ici, la plain text, ça veut dire données en clair. Et ensuite... Une fois que vous les aurez mixés ici avec le, le Wix qu'on voit là, vous allez avoir ce qu'on appelle du ciphertext. Ciphertext, ce sont les données chiffrées. Et c'est ces données-là qu'on va envoyer over the air, donc envoyées en DMR cryptées sur, sur le réseau. Voilà comment marche le principe de base du fonctionnement, du chiffrement d'MRA quand vous mettez de l'AES. Ça marche exactement de la même manière pour décrypter. Hein. Euh, vous décryptez euh, là, vous, vous chiffrez simplement pour décrypter, bah, vous inversez plain text, en text. Fait, hein. vous, vous allez euh, injecter les, les, les mêmes données que vous allez, euh, que vous allez mélanger avec ou, un, un, ou exclusives, Vous allez mélanger ce qu'on appelle le case stream avec le plain text. Avec le ciphertext, text, pardon, et puis vous obtiendrez le plain text. Donc c'est la même opération, chiffrer, déchiffrer, ça se passe exactement de la même manière. Là vous allez bien, ok. Super, tu m'as montré comment ça marche. Où est-ce qu'il est le problème avec Motorola Eh bien, je vous montre exactement le même schéma. Le problème avec Motorola, il est là. Ici. Le premier, ve le premier vecteur d'initialisation qui est généré, qui est censé être une valeur aléatoire, on va voir qu'en fait... À chaque transmission, normalement, on est censé régénérer un, un vecteur d'initialisation aléatoire, et bien chez Motorola, il n'est pas aléatoire. Et c'est ça que je vais vous montrer. Il est aléatoire quand on allume le poste la première fois et ensuite il suit tout le temps la logique prédictive. Donc il est basé sur l'IV précédente pour générer le prochain IV. Donc, même si vous arrêtez une conversation et que vous reprenez, le prochain IV qui va être généré, qui va être utilisé pour encoder euh, les données, là, il va être basé sur le précédent grâce au l'FSR. C'est comme ça. Donc, on va avoir des IV qui vont être prédictibles. Je vous ai fait un petit tableau de synthèse pour bien comprendre. Motorola, qu'est-ce qu'il fait Motorola, je vous ai dit, à l'allumage du poste, il génère un nombre aléatoire. C'est le premier IV, le vecteur d'initiation classique. Et ensuite, dès que vous allez appuyer sur le bouton, là, ici, il va utiliser ce vecteur d'initialisation euh, et il va changer toutes les super trames. Hein. Et ce qui va se passer, c'est quand vous relâchez la conversation. Il va garder en mémoire le dernier IV connu et il va générer ensuite, si vous rappuyez sur le bouton PTT, là, il va régénérer ensuite le prochain IV à partir de l'IV précédente. Donc, en fait, on est dans des IV qui sont totalement prédictibles. C'est un petit peu un fonctionnement similaire à celui d'un compteur. Je vous montre ça à l'écran. Hein. On compte, par exemple, de 0 à 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et ainsi de suite. Là, ce n'est pas tout à fait un compteur qui compte de 0 à n, c'est un LFSR. Donc, un LFSR, un à décalage, donc ça ne donne pas tout à fait les mêmes valeurs, mais on est capable de prédire le vecteur d'initialisation suivant parce qu'on connaît le précédent en réeffectuant le calcul. Itera, eux, par contre, ils utilisent véritablement un vecteur d'initialisation qui est aléatoire ou supposé aléatoire, puisque moi bon, en tout cas, chaque fois que je fais des, des essais sur mon post Citera en essayant, en appuyant, euh, en lançant une nouvelle conversation voix ou une conversation data, il y a un vecteur d'initialisation qui pour moi est aléatoire, qui est généré. Il n'y a pas de logique prédictive ou en tout cas je ne l'ai pas vu. Ça, ça fait que les vecteurs d'initialisation de chez ITERA, ils sont impossibles à prédire. Hein. C'est-à-dire que c'est un peu comme un. Imaginez un compteur qui va dans tous les sens, qui, qui fait. ça fait vraiment des, des, de, de, de l'aléatoire du random. Là où Motorola, par contre, c'était du compteur où on est capable de le prédire. Et c'est en ça que, pour moi, Motorola fait un petit peu moins bien que ITERA, avec ce principe. Alors vous allez me dire, bon, ok, tu nous as montré la ESOFB, et là tu nous dis que les IV sont prédictibles. Est-ce que c'est un problème Je suis allé poser la question sur un forum à des cryptographes, donc des gens capés, euh, hein, à des experts, en cryptographie, en leur disant Est-ce que c'est un problème qu'on utilise des vecteurs d'initiation prédictibles dans le cas de l'AES-OFB leur réponse, leur réponse était simple Tout dépend du degré de répétabilité de l'IV. Hein un vecteur d'initiation, il va se répéter au bout d'un moment c'est est-ce qu'il va se répéter souvent ou rarement Est-ce qu'il faut beaucoup de temps avant qu'il se répète Grosso modo, ce qu'ils m'ont dit, c'est plus il se répète souvent, moins vous êtes sécurisé. Plus l'IV, il va falloir attendre longtemps avant qu'il se répète, et plus vous êtes sécurisé. C'est ça. Donc je me suis dit, bah, faisons le calcul en DMR. On active le chiffrement DMRA. On prend un vecteur d'initialisation, ils font 32 bits les vecteurs. Chaque super tramway est une... Est codé, codé avec une clé et un vecteur d'initialisation. Une super tramvoie, elle dure 360 millisecondes. Le vecteur d'initialisation, l'IV, il va changer à chaque super tramvoie. Donc toutes les 360 millisecondes, on va régénérer un vecteur d'initialisation. Alors on se base sur l'IV précédent pour générer l'IV suivant chez Motorola. Et pareil, chez, chez Itera. lors d'une conversation, on est capable de prédire les IV suivants. Donc il va changer. Je me suis dit, bah, au bout de combien de temps est-ce qu'il se répète si on prend un vecteur d'initiation de 32 bits, ça fait environ 4 milliards de possibilités. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'il y ait 4 milliards de, 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 de boucles dans le LFSR avant qu'on retombe sur le premier, euh, sur le l'IV qu'on connaissait. Donc 4 milliards, pas tout à fait un peu plus, 4 milliards, 4,29 milliards euh, et des bananes. Faites le calcul, c'est 2 puissance 32 dans le calcul Windows. Et tout ça, quand on fait le calcul, 360 millisecondes, donc le temps d'une super trame, une super frame, comme on dit, une super trame voie, Multiplié par 4,4 par 4 milliards, on tombe sur 378 années. Donc grosso modo, ça veut dire que si vous appuyez, vous, avez, vous allumez votre poste, il va générer un vecteur d'initiation aléatoire, vous vous mettez à appuyer. Et là, vous blablatez. Avant que le vecteur d'initiation revienne au départ et qu'on recroise le vecteur connu, qui soit répété, il va s'écouler 378 ans. Hein Autant dire que euh, vous êtes tranquille, vous n'allez pas, c'est impossible. C'est inimaginable. Une conversation voix en DMR qui dure, plus de 3, qui dure 378 ans, 378 années, c'est impossible. Donc, clairement, vous êtes quand même bien sécurisé. Voilà, ce livret se répète, mais tous les 378 ans. À supposer que vous mainteniez appuyé pendant 378 ans, ce qui, évidemment, paraît complètement impossible. Et puis, je pense qu'on sera tous morts avant. Tout ceci nous amène à la conclusion, d'un point de vue strictement cryptographique, vraiment strictement cryptographique, l'AES-Demera, il va être meilleur chez Itera, hein, clairement, puisque Itera il va utiliser des vecteurs de d'initialisation qui sont aléatoires, on ne peut pas les prédire, on ne sait pas dans quel sens ils vont être générés. C'est meilleur que chez Motorola, mais vous ne risquez rien à utiliser l'une ou l'autre des marques, clairement. Hein. Vous pouvez utiliser Motorola, Itera, vous. Vous pouvez dormir tranquille. Ce que j'ai dit là, voilà. même avec Motorola, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Parce qu'on voit bien que même si on est capable de répéter l'IV, de le prédire, eh ben, le case stream qui va être utilisé il va changer à chaque fois et il va falloir 4 milliards de répétitions, euh, 4 milliards d'IV différents avant de tomber sur le bon. Et 4 milliards d'IV différents, on, on a vu que ça faisait 378 années. Donc clairement, 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 même si d'un point de vue strictement cryptographique, Itera fait mieux que Motorola, vous êtes clairement tranquille en utilisant ce chiffrement AES 256 sur du matériel Motorola. Voilà, c'est ce que je voulais vous mettre en lumière. Si jamais vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter mes formations sur le sujet. Ce sont des formations qui sont payantes, qui sont disponibles en ligne. Il y a le lien en description sur mon site internet. Vous pouvez les souscrire. C'est un accessible avis. À noter qu'elles vont disparaître au 1er janvier 2024, donc il vous reste quelques mois. Pour les acheter pour ceux qui souhaitent, au 1er janvier, ces formations disparaissent purement et définitivement. Ceux qui les auront souscrits, bien entendu, ne, ne, pas de panique, hein, elles sont accessibles à vie, vous aurez un espace dédié, mais les nouveaux, vous ne pourrez plus les souscrire. Donc je vous invite à le souscrire avant la fin de l'année, si vous souhaitez en faire l'acquisition et vous former sur le sujet. J'en arrive donc à la fin. Bah, écoute, le petit mot de la fin, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. à très vite pour ceux qui souhaiteront souscrire à la formation de l'autre côté. N'hésitez pas à m'envoyer un email pour me poser toutes vos questions. Je répondrai avec plaisir. Pour tous les autres, bah, je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo qui sortira sur cette chaîne YouTube. Allez, ciao à tous.